Alors, c'est assez cocasse. Parce que l'année dernière, j'ai promis de revenir sur le nouveau Star Wars tous les ans, en me disant qu'avec un départ pareil, ça allait être catastrophique. Et Rogue One, c'est genre l'exact inverse de Star Wars 7. À chaque point du pourquoi j'ai raison aux aviateurs précédents, ici Disney et Kathleen Kennedy ont pris la décision diamétralement opposée. Là, ils avaient pris un Yes Man, ici, ils ont pris Gareth Edwards, le gars qui a fait ça. Alors que les personnages de Star Wars 7 étaient à peine définis, ici on voit la vie de Jean quasi du début à la fin. J'avais dit qu'il n'y avait pas assez de travail sur les planètes. Bref, Rogue One, c'est l'opposé de Star Wars 7, presque son antithèse, ce qui est intéressant pour comparer, mais qui rend difficile d'aborder le sujet sans ne faire que ça, comparer. Alors la première chose à dire, c'est que, oui, Rogue One est un putain de bon film. Ce qui veut pas dire qu'il a pas des défauts, mais c'est un putain de bon film. Rogue One suit Jean Erso, interprétée par Felicity Jones. Fille de l'inventeur de l'étoile de la mort, Galen Erso, joué par Matt Mikkelsen, elle va voir se former autour d'elle un petit groupe de rebelles composé de Cassian Andor, joué par Diego Luna, K2SO, sorte de C3PO acariâtre joué par Alan Tudyk, Bodhi Rook, joué par Riz Ahmed, et Chirrut Imoe et Blaze Malbus, interprétés respectivement par Donnie Yen et Wen Jiang, qui va se mettre en quête des plans de l'arme ultime de l'Empire afin de découvrir son point faible et le transmettre à l'Alliance Rebelle. La fin du film rejoint le début de l'épisode 4, ces plans étant ceux mentionnés dans le texte d'ouverture, que Leia confie à R2 au début d'un nouvel espoir, initiant l'histoire de Luke Skywalker, même si le temps d'un saut de Scarif à Tatooine les sépare. Sachant d'avance que le film serait une course au MacGuffin, trouver le défecteur, obtenir l'information, voler les plans, Rogue One est parti sur l'idée de faire ça de façon crédible, en faisant un film d'espionnage en période de guerre dans l'univers Star Wars. On suit des rebelles sans pouvoir Jedi, s'infiltrer pour obtenir des informations top secrètes du camp ennemi, avec pour question qui étaient ces héros de l'ombre, et pourquoi et comment ont-ils réussi une mission aussi périlleuse. Une idée originale qui va porter ses fruits. S'il est loin d'avoir réalisé des scores aussi impressionnants que The Force Awakens et ses 2 milliards de recettes mondiales, Rogue One a cependant réussi à largement dépasser le palier du milliard et à laisser de bons souvenirs à la majorité des spectateurs, ou au minimum, un bon souvenir. Une réussite qui rend d'autant plus surprenant le mystère qui entoure sa création. Depuis le début. Genre vous avez vu le Blu-ray bonus? Un disque entier pour une vidéo d'1 heure en cinémascope où les gens font parler du film et un bonus sur l'historique où il y en a genre 10? Ils sont où les bonus? Pourquoi il y a aussi peu d'images du tournage? Et est-ce que Mark Hamill venait tous les jours pour les faire chier? If you think you're gonna go into the movie and recapture your childhood, you're setting yourself up for disappointment. I want to do movies now where I don't do anything, I don't talk. I get second billing. And you know, I'm in the movie less than 30 seconds. It doesn't matter if it's good as long as it makes money. So, because The Force Awakens made a lot of money, I can't be, it doesn't, it's not ergo, it's good. Il m'éclate! Il fait ce qu'il veut, le mec, il est essentiel au projet! Au fait, tous ceux qui m'avaient dit « Mais non, t'exagères, ils savent où ils vont, Disney, c'est comme Lucas, ils peaufinent juste les détails. » Oh tiens! Le réalisateur de Star Wars 8 qui confirme qu'ils n'ont absolument aucune idée d'où ils vont et que les personnages sont des pages blanches à remplir pour avoir sorti le réveil de la Force. Bref, comme Rogue One est bon, pourquoi tous ces mystères? Reprenons l'historique du film. Lorsque Disney rachète Lucasfilm en 2012, ils annoncent prévoir un film tous les ans. Une trilogie qui continue l'intrigue principale avec un épisode numéroté, tous les 2 ans, et entre deux, du coup, des spin-offs. Pour la première fois, une histoire de l'univers étendu n'allait pas être racontée par un film d'animation, une série d'animation, ou encore dans un holiday special. We celebrate a day of peace, a day of harmony. Mais dans un long métrage en images réelles de 2 heures. Dans un premier temps, le projet reste flou quant au sujet qui sera abordé, et le mystère reste entier, même après l'annonce en 2014 du choix de Gareth Edwards, réalisateur et scénariste du film indépendant acclamé Monsters, que j'avais beaucoup aimé, et du remake de Godzilla sorti en 2014, qui était pas mal, mais sans plus, pour réaliser ce premier spin-off. 9 mois plus tard, Gary Whitta, scénariste engagé en même temps qu'Edwards, accouche d'un remerciement de la part de Disney et Lucasfilm, qui appelle pour le remplacer le scénariste et réalisateur Chris Weitz. Bien que reproduisant le comportement adopté pendant la production du Réveil de la Force, il n'est pas rare d'avoir plusieurs auteurs scénaristes qui réécrivent plusieurs traitements,
Et le choix semble porter ses fruits puisque 3 mois plus tard, en mars 2015, presque un an après l'annonce du projet, on annonce enfin le titre, Rogue One, et l'histoire, trouvée par un responsable des effets spéciaux chez Lucasfilm depuis des années, John No. 5 mois encore plus tard, en août 2015, commence le tournage principal. En février 2016, on annonce que tout le monde est content. Tout marche bien, David. Et puis soudain, en mai 2016, les sites d'infos sortent des rumeurs alarmistes. Disney détesterait le film. Des reshoots, qu'on appelait aussi des retakes, quand c'était un terme réservé aux produits cinéma, c'est-à-dire un tournage additionnel de nouvelles scènes, de nouveaux plans ou de versions modifiées, sont prévus pour 4 semaines. Il faudrait refaire 40% du film, il serait trop sombre donc Disney voudrait le rendre plus soft, et comble du comble, Gareth Edwards serait écarté des reshoots, purement et simplement. La vérité, c'est que si vraiment le film était si merdique qu'il fallait en refaire la moitié, il l'aurait pas fait à 7 mois de sa sortie. Il l'aurait fait 3 mois plus tôt, en mars 2016, date prévue à l'origine pour les reshoots puisqu'elle vient après février, et la projection à Disney, où tout le monde a dit que le film était génial. D'autant que depuis, on sait que la séquence où Vador massacre tout le monde a été rajoutée grâce aux reshoots, et on va pas me dire que le gars qui a dirigé le film accepterait de faire son caméo sous la direction d'un autre réalisateur que lui-même. C'est globalement là que ça devient difficile de démêler les rumeurs hystériques de la vérité. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des reshoots, mais moins que prévu, et avec l'aide de Tony Gilroy pour la réalisation de la seconde équipe, tandis qu'Edwards était sur l'équipe principale et à la caméra. De l'aveu des monteurs, les scènes qui introduisent Cassian et la prison d'où on récupère Jean viendraient de là. Pas surprenant, elles sont clairement plus cheap, la scène dans le camp impérial se limitant à l'intérieur d'un véhicule et un plan numérique, celle sur Cassian ayant probablement été tournée avec les 3 mêmes bouts de décor et assemblés d'un plan à l'autre, ces scènes ne nous apprennent rien d'essentiel, et ça sonne bien la directive hollywoodienne du « Oh, les personnages y débarquent de nulle part, faut rendre ça plus clair », alors que toute l'intro nous montre d'où vient Jean, tandis que le discours des rebelles fait un résumé de sa carrière criminelle qui rend inutile de voir l'évasion de prison, et présente Cassian et le fait qu'ils aient reçu l'info sur le pilote, ce qui là aussi n'était pas essentiel à montrer. Un morceau de la scène de fin, sur Scarif, a également été retourné, la tour de communication et la base de données de l'Empire étant à l'origine dans 2 bâtiments séparés, ce qui amenait Jean et Cassian à refaire la traversée du champ de bataille et rallonger le segment, qui fait tout de même encore 1 heure dans sa version finale, donc ils l'ont réuni en un, échangé, ce faisant, le lieu et les morts de plusieurs personnages. Et puis il y a eu d'autres changements, comme le fait que Vador aurait dû être à bord de l'étoile de la mort et a été déplacé dans son château de Mustafar pour montrer un aspect plus neuf du personnage que de le voir regarder des écrans, et ne pas réunir tous les ennemis au même endroit. Mais tout ça, c'est du spéculatif. Rogue One sort au final le 14 décembre chez nous et le 16 dans le reste du monde, et c'est le résultat qu'il faut juger. Alors ça vaut quoi tout ça? Le récit tourne autour de Jean Erso et d'un groupe de rebelles totalement inconnus pour garder une certaine incertitude face à leur avenir, si ce n'est sur l'issue de leur mission. Mais sont-ils assez forts pour porter cette histoire? Eh ben en fait, c'est plutôt l'histoire qui les porte. Le problème vient de la structure, du concept de base du film construit autour d'une fin précise. Le parcours de Jean et de sa bande a été conçu à l'envers pour satisfaire les besoins du récit et arriver, au final, au vol des plans de l'étoile de la mort. De fait, leur parcours semble facilement superficiel parce qu'ils passent un peu au second plan derrière cet objectif et les divers obstacles sur leur route. Jean, par exemple, est une jeune femme partagée entre sa haine des deux camps, l'Empire qui lui a retiré sa famille et la rébellion qui l'a exclue, puisqu'elle a été abandonnée par Saw Gerrera, seigneur de guerre interprété par Forest Whitaker, ou comme j'aime à l'appeler, moi dans 10 ans de Disney Star Wars. Deceptions! Let's see it! Cela l'amène à une vie solitaire et à rejeter les autres, et elle va devoir apprendre à mettre ses griefs au second plan, allant jusqu'à se sacrifier pour œuvrer au bien de tous. Mais ça, c'est ce qu'on nous vend. Dans la pratique, c'est quand même difficile à voir. Elle résiste à sa libération et fait la fière face au conseil de l'Alliance Rebelle. Mais ce n'est qu'une façade qui s'estompe à la seconde où on évoque l'idée que son père pourrait être encore vivant. Si elle était si indépendante, elle pourrait essayer de se faire la malle sur Jeddah sans problème pour aller sauver son père elle-même, mais coup de bol, elle reste tranquille d'essayer de semer Cassian. Docile la rebelle quand même, hein? Je croyais que c'était pas ses affaires la rébellion. On va bien lui donner une personnalité, mais faut quand même qu'elle suive le récit, hein, sinon on est dans la merde. Clairement, elle est là pour servir de fil conducteur. C'est le prétexte liant chaque élément qui permet de suivre cette histoire du début à la fin. C'est quand même un gros coup de bol que la nana soit et la fille de l'inventeur de l'étoile de la mort, et la fille adoptive d'un rebelle si extrême qu'il faudrait que l'Alliance ait un de ses proches avec eux pour le contacter sans se faire buter, et que, hasard ultime, le rebelle ait abandonné Jean également, en faisant l'intermédiaire idéal puisqu'il a à se faire pardonner et va encore plus éviter de lui tirer dessus. Donc oui, elle est plus rebelle qu'un rebelle, elle en veut à son père de substitution de l'avoir abandonné, mais c'est pas ça qui intéresse le film, c'est que ça l'amène à revoir son père de substitution, qui va l'amener à revoir son père, qui va mourir pour que l'Alliance doute d'elle et que sa nature l'amène à ne pas respecter leurs ordres, amenant au titre du film Rogue One et au vol des fameux plans. En quoi ça lui permet de nous mener d'un personnage à l'autre, d'un lieu à l'autre.
Quelque part, pour une nana qui se sent utilisée par tout le monde et qui, effectivement, est utilisée par la rébellion et par la force, qui a soigneusement tissé son passé pour qu'il mène à ce destin, c'est lourd de sens, mais pour le spectateur, ça rend le personnage qu'on devrait suivre un peu oubliable parce que bien qu'elle en soit le fil conducteur, elle n'en est pas la priorité. Pour l'histoire en tout cas, le film essaie de traiter sa psychologie davantage grâce au visuel, comme dans la scène où elle pleure devant l'hologramme de son père, où les plans qui insistent sur la jalousie palpable de Guerrera permettent de sentir la belle histoire qu'on n'a pas le temps de nous raconter. On a une mission, une arme qui va bientôt être terminée, du lait bleu sur le feu, donc lorsque So meurt par exemple, on est navré pour elle, mais on est surtout content que ça donne un prétexte pour aller directement voir Galen. Mais au cas où, on ajoute quand même une bonne grosse excuse scénaristique. You have that message, Ryan. Waouh! T'as oublié le message! Bouffonne! Alors, il y a un avantage certain à aborder le moins possible les dilemmes intérieurs des personnages, c'est que le rythme tombe jamais. À chaque plan, chaque dialogue, on a une nouvelle information, un nouvel objectif, un nouvel obstacle, mais les personnages sont, du coup, moins gérés comme des humains que comme des sacs à dos qu'on traballe d'un lieu important à l'autre. Ironiquement, l'urgence qui rend le script intéressant empêche un peu d'en faire autant pour les personnages. Et la superficialité de ces relations crée des problèmes tout du long. Je voudrais bien savoir quel acte de Jean entre la fuite du repère de So et avoir escaladé un rocher pousse Blaze à l'appeler soudainement petite sœur, et je pense même que c'est à cause de cette superficialité émotionnelle qu'elle fait juste un câlin à Cassian avant de mourir, parce que peu importe comment il le jouait, ça collait pas avec leur relation au fil du récit. Et parce que pour Cassian c'est pareil. D'où entre Jedha et Idou, il s'est assez rapproché de Jean pour remettre en cause sa façon de fonctionner depuis des années. I've been in this fight since I was 6 years old. Et tu la connais depuis 12 heures. Pourquoi tout remettre en cause maintenant? Parce qu'elle est mignonne? Quand même, c'est une facilité dont le film lui-même semble attester de l'échec. Du coup, finalement, merci les reshoots, ça fait au moins une scène pour attester de ce que Cassian est prêt à faire. Mais donc, pourquoi remettre tout ça en cause parce que t'as traîné 12 heures avec une meuf? S'il avait vu l'hologramme encore, j'aurais compris, mais il aurait pu lui dire n'importe quoi. Qui plus est, la leçon est pas vraiment claire. Ça semble assez évident que tuer un innocent, même au nom de la rébellion, est une mauvaise idée. Ils auraient pu, je sais pas, le recruter pour qu'il leur fasse des armes, à eux. Et il l'apprend à peine cette leçon en plus. Il se fait surtout interrompre dans sa mission et il hésite à exploser la gueule du père parce que sa fille est juste en face. Il veut une médaille? Celle que Chewbacca a pas eu la fin du Nouvel Espoir peut-être? Reste que, j'ai été dans la rébellion depuis mes 6 ans mais faut que j'apprenne à penser pour moi-même, et je vous déteste tous parce que vous m'avez tous abandonné mais faut que je pense aux autres, reste infiniment plus appréciable, travaillé et compréhensible comme dilemme que je veux pas bouger de chez moi et je veux fuir comme un lâche. Ce qui est marrant, c'est que c'est K2SO qui nous permet d'en savoir le plus sur leur relation au final. You're letting her keep it. Le droïde est souvent là pour faire rire, mais a un vrai développement dans son rapport avec Jean, exprime tout haut ce que les personnages pensent tout bas, et sa camaraderie de longue date avec Cassian est bien plus palpable et exclusive que celle que développe BB-8 qui écarte littéralement ses orifices pour tout le monde et n'importe qui. Le design est nouveau et très cool, menaçant comme est un droit de l'imaginer d'un droïde de l'Empire, et la désinvolture avec laquelle il accomplit toutes ses tâches rend le personnage très surprenant et marquant dans l'intrigue. Body, outre le fait qu'il soit très mignon, et il est très mignon, a une quête assez claire, se racheter pour avoir travaillé avec l'Empire et faire honneur à celui qui l'a inspiré, Galen. Le souci c'est qu'il était censé perdre la tête et qu'en fait... non, et qu'il évolue pas, mais c'est pas censé être son utilité. C'est juste un personnage secondaire, l'un des plus définis et attachants du film en plus, notamment par sa candeur, mise en avant par sa voix douce, comparée au personnage habituel de Star Wars. Les meilleurs sont étonnamment Blaze et Chirrut, qui pourtant parlent assez peu dans le film, parce qu'ils ont un vrai lien, de longue date, et constamment illustré par leurs échanges. Alors je me demande juste quelle était l'utilité de garder un lieu rempli de Jedi avec des non-Jedi, mais leur amitié est une évidence, leur attitude nonchalante les rend classe, et le contraste entre le violent Blaze qui a perdu la foi en la force et le discret Chirrut qui reste fidèle marche parfaitement, surtout vu la fin des personnages. Bon d'ailleurs sur Finn et Poe j'ai des gros doutes, mais sur Chirrut et Blaze... Je veux pas tomber dans la facilité et qualifier tous les actes de tendresse entre hommes de signes d'amour homosexuel, comme les blaireaux qui pouffent de rire devant la mort de Boromir, mais sérieux, le plan sur la main, et surtout celui sur les yeux de Blaze suivi d'un contre-champ sur Chirrut qui le réconforte juste avant de mourir parce qu'il va le rejoindre, déjà c'est putain de magnifique comme lien entre les personnages, mais... Waouh, ça fait presque trop, non? Il est quand même extraordinaire ce Chirrut, parce qu'il arrive à faire passer crème une tentative de drague du marché asiatique, et les midi-chloriens, tout en restant le personnage le plus populaire du film.
Car en effet, si son attachement aux enseignements Jedi et sa vénération pour la Force en font le personnage qui naturellement parle le plus aux fans nostalgiques de la saga, son sort prouve que les midi-chloriens sont quelque chose de concret et important. Tout le monde est lié à la Force, mais tout le monde n'a pas les moyens de l'utiliser. Tirut n'invoque pas tant la Force à son aide qu'il ne réalise sa destinée. Il accepte de faire partie du flot de la Force, qui si elle a décidé qu'il devait gagner, lui permettra d'accomplir le quasi-miracle nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Vous remarquerez d'ailleurs que chaque membre de l'équipe, comme Bodhi, a une chance assez insolente au début des scènes sur Scarif, et meurt à l'instant même où il accomplit sa destinée, chose assez étonnante et bienvenue de la part de Disney. Bodhi, non ! Et justement, le fait qu'ils meurent tous montre d'autant plus la dévotion qu'ils ont à leur cause, par intérêt personnel pour Jean et idéologique pour les autres, et ça les rend bien plus attachants que les personnages en carton de Star Wars 7 qu'on trimballe d'un bout à l'autre du film sans qu'ils n'apportent quoi que ce soit. Ce qui est pas un mal en soi, mais quand on le fait sans discours, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va faire du personnage et qu'il faut quand même sortir le film. Eux, au moins, tous, ont agi et ont eu un impact sur les choses. Alors après, je suis d'accord, on n'en sait pas des masses sur ces personnages, et certains sont plus utiles que d'autres. Mais ça, pour le coup, c'est du Star Wars. Ça risque d'en surprendre certains de m'entendre dire ça, après avoir autant reproché le mimétisme entre Star Wars 7 et la trilogie originale. Mais attention, je veux pas dire par là que c'est exactement la même chose. Je veux dire que c'est vrai, Star Wars c'est une saga ultra codifiée, et c'est vrai de dire que la prélogie et Rogue One aussi reproduisent les grandes lignes du récit de la trilogie originale et des archétypes de ses personnages. Mais en même temps, c'est pas du tout vrai. La prélogie, comme Rogue One, a réinventé, mélangé, inversé, réassemblé pour créer du neuf avec du vieux. On n'était pas obligé de faire la même histoire point par point, de revoir les mêmes personnages, avoir des parcours similaires. Rien que le fait que la quête du héros soit secondaire dans l'épisode 1 le prouve. Comme je l'ai déjà dit, il y a une différence entre un reflet et une copie, entre une répétition et une rime. Vous pensez que c'est que de la parlotte, que je vous baratine pour m'en sortir? Exercice simple. Qui est l'équivalent de Han Solo, le pilote casse-cou, dans Star Wars 7? À part Han Solo. Poe. Dans la prélogie? Qui est le pilote casse-cou dans la prélogie? Anakin. Mais Anakin, c'est aussi le gars qui vit une quête du héros, comme Luke, à laquelle il échoue d'ailleurs, temporairement, contrairement à son fils dont il est l'écho principal. Et si découverte de père il y a, c'est d'un père de substitution, manipulateur et maléfique. Dans Rogue One, le pilote casse-cou c'est à la fois Bodhi, qui est juste pilote et pas très casse-cou, Cassian, plus casse-cou que pilote, qui évoque aussi Lando avec sa pornstache et ses capacités à cacher ses vraies intentions, et qui a l'originalité de suivre les ordres et d'être dévoué à sa cause, contrairement à Han et Lando. Et enfin, son assistant droïde K2SO, C3PO inversé, et non Wookiee inversé. Le Wookiee voit plus son équivalent de grand mec avec une arme puissante dans Blaze Malbus, alors que l'espièglerie et la foi en la Force de Yoda se voient transposer dans Tirut Imue, un non-Jedi qui est malgré tout sensible à la Force et qui lui aussi déchire tout avec un bâton alors qu'un défaut physique, sa cécité et non sa taille cette fois, laisse croire qu'il devrait être plus vulnérable, en position d'infériorité. C'est pas essayer de reproduire les visuels et la personnalité, c'est juste le même esprit, appliqué à un contexte radicalement différent. Ce que doit faire une bonne suite. C'est autre chose que changer le sexe, la couleur et la taille. En modifiant certains détails, en déplaçant, en répartissant, ou en recombinant des caractéristiques, ou en modifiant les dynamiques d'association de personnages, on arrive à quelque chose de créatif tout en étant fidèle. Pas du simple réchauffé ou de la copie vide. Le plus ennuyeux dans le set, c'est qu'il n'y avait aucun vrai personnage développé. Luke, on sait d'où il vient, que sa famille essaie de l'élever pour qu'il ne rejoigne pas les idées de son père, qu'il connaissait assez Ben pour le reconnaître au premier coup d'œil, qu'il adorait piloter et tirer sur des rats womp, qu'il avait des amis, voulait partir, être rebelle. Voilà, un personnage avec des motivations. Une nana qui attend sa famille et subit l'histoire, c'est pas une personnalité. Il n'avait d'ailleurs aucune scène pour exprimer une personnalité. Chacune consistait à de l'action, s'émerveiller face à l'univers Star Wars, parler pour rien dire ou faire de l'exposition sur un univers qui n'est qu'une page blanche. Les personnages traversaient le film sans presque l'influencer et tout le monde se kiffait. Là, on sait d'où vient Jean, ses raisons d'être contre l'Empire, qu'elle aime pas les ordres à défaut d'être toujours rebelle, et qu'elle a été entraînée au combat par Saw avant qu'il l'abandonne et qu'elle devienne solitaire. Et on tue pas Galen juste parce que les pères meurent dans Star Wars, mais parce qu'avec leur séparation en bon terme, c'est une situation forte en émotion. Jean a un parcours de vie similaire à celui de Luke, mais là où lui a eu des années pour assimiler tout ça, cette pauvre femme se prend tout dans la gueule pendant la dernière journée de sa vie en 24 heures. C'est autre chose à vivre comme parcours quand même. Et tous les personnages en ont un à la hauteur de leur importance. Cassian, agent qui accepte de ne pas suivre les ordres, c'est comme Han qui accepte de s'engager pour les autres pour la première fois de sa vie. C'est pas énorme, c'est pas accompagné d'un CV et d'un livret de famille complet, c'est juste ce qu'il faut pour avoir un personnage qui a quelque chose à faire et à dire dans le film. On n'a pas besoin d'en savoir tant que ça sur les personnages pour les apprécier, mais certainement plus que sur les persos de Star Wars 7, archétypes déjà vus, vides et incohérents.
Rey ne peut pas être ultra sensible à la force s'il ne sent pas les planètes être détruites, savoir tout ce que peuvent faire les Jedi si elle pense qu'ils sont un mythe, et Kylo ne peut pas être la terreur de la galaxie et se mettre à genoux face à un prisonnier ou se faire battre par des novices, même grièvement blessés. Ici, quand on te dit que Jean est rebelle, contre diverses choses, elle l'est de A à Z. Que Cassian est un des meilleurs agents des rebelles, il l'est. Froid, méthodique et efficace, de A à Z. K2 est un connard, de A à Z. Body est voué à aider la rébellion et la mémoire de Galen Erso de A à Z. Et Blaze et Chirrut sont fidèles à eux-mêmes jusqu'au bout. On a cette fois des gens qui changent les choses et sont changés, s'entendent plus ou moins, offrent de vrais dilemmes et peuvent tenir un film par eux-mêmes autant que par leurs actes, même dans le cas où tout le monde connaît déjà la fin. Notons cependant que si l'action nous détourne des personnages, elle est totalement méritée par le scénario. Parce qu'avoir des personnages discrets, c'est pas un problème s'ils sont au service d'une bonne histoire. Et celle de Rogue One l'est. Si les épisodes numérotés sont comme des films historiques sur une guerre mondiale, Rogue One est l'équivalent d'un film sur l'organisation d'un attentat contre Hitler par exemple, comme Valkyrie, ou d'une mission importante, genre le débarquement dans le jour le plus long, et comme, contrairement à Star Wars 7, il ose parler de son contexte, de ses enjeux et de ses personnages, le récit est captivant, et non une succession de scènes cool et gratuites. Bon après, avec toutes les comparaisons qu'il y a eu entre Star Wars 7 et Star Wars 4, je peux pas faire comme si ça n'existait pas ici. On a bien un orphelin ou orpheline qui a vécu dans une ferme avant qu'une figure paternelle ne la récupère à la mort de sa famille pour en faire un soldat de la rébellion, ce qui l'amènera à retrouver un père qu'elle croyait mort ou méchant et qu'elle va perdre alors qu'elle découvre qu'en fait il était gentil, pour finir son combat accompagné d'un pilote et d'un droïde en attaquant une planète évoquant la nature, dont il faut détruire le bouclier pour gagner le combat contre l'Empire, qu'il ne détruise pas, et là vous commencez à voir que, quand même, c'est lié, mais c'est pas facile de décrire les deux situations en même temps. On reproduit à la fois des événements qui arrivent à Luke sur toute la saga, et d'autres qui arrivent à Han et Leia sur Andor en modifiant le fil conducteur. Et même lorsque j'arrive à créer des liens, vous avez conscience que si ça se ressemble, ça ne se déroule pas du tout de la même façon. Contrairement à d'autres. Star Wars 7 était exactement le même film que Star Wars 4. Les mêmes événements. On peut raconter les deux scénarios quasi simultanément, et les visuels font tout pour faire écho aux anciens épisodes. Même les Raftars, c'est une copie de la scène avec le compacteur d'ordures et le Dianoga. Parce que dans Star Wars 7, l'idée n'était jamais purement de proposer du neuf. C'était de faire revivre un souvenir en évoquant un aspect des anciens films, maquillé comme un camion volé pour faire croire à de la créativité. Dans Rogue One, comme en plus de base on connaît déjà la fin, le but c'est de proposer du neuf, et visuellement, comme dans la structure, seuls quelques échos sporadiques interviennent lorsque le film en a le temps. Il s'agit pas d'arrêter le film toutes les deux secondes pour se concentrer sur une des Madeleines de Proust de la saga ou de construire le récit autour de ça. Enfin si, bien sûr, mais ça n'accapare pas le film. Oui, il y a du lait bleu, mais vous pouvez complètement passer à côté, parce que ce qui se passe à l'écran est plus intéressant que l'allusion glissée dans le plan. Hello. So, it's Lyra. He's come for us. Le jeu holographique, qui interrompt les héros du set juste pour faire un clin d'œil, est ici présenté dans une version physique pour la première fois, pendant un plan rapide d'illustration et d'ambiance. Vador est utilisé avec parcimonie, comme Tarkin, lorsqu'ils sont utiles, et pas pour se forcer à les intégrer à l'histoire. On fait référence aux autres films parce qu'ils sont notre environnement, pas parce que c'est tout ce qu'on est. Encore une fois, Rogue One c'est presque l'exact inverse de Star Wars 7. Tout ce que je lui reprochais est corrigé à croire que c'est volontaire de la part d'Edwards. Sérieux, regardez ça. SW0608, cleared for landing pad 9. Oh bah ça alors, il manque le 7 dans cette suite de chiffres. C'est marrant ça. Non? Et ça? The Alliance, the rebels, whatever it is you're calling yourself these days. It's the resistance. Ou ça? But then if you're too respectful of it, that you daren't do anything new or different, take a risk, then what are you bringing to the table? Bien dit Gareth. Pourtant, c'était bien plus compliqué de créer une histoire qui s'insère dans une période déjà connue de façon cohérente que de créer une nouvelle histoire libre de toute contrainte comme Star Wars 7. Contrairement au premier opus d'une trilogie qui doit établir son environnement pour les films à venir, la domination d'un empire galactique et une rébellion pour Star Wars, qu'il fait avec brio. I have just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently. Fear will keep the local systems in line. You must learn the ways of the Force. L'ancienne République et le complot de Palpatine pour la prélogie, qui le fait également très bien. I feel confident our situation will create a strong sympathy vote for us. I will be Chancellor. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? We will watch your career with great interest. Et l'existence d'un nouvel ennemi superficiellement défini pour Star Wars 7? All remaining systems will bow to the First Order! Rogue One, lui, prend place dans la période qui précède de quelques heures à peine la trilogie originale. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas à présenter les enjeux et la menace. L'Empire, Vador, Tarkin, tout ça on connaît et le film en est même très conscient. Les entrées de ces personnages sont travaillées par une trahison immédiate de la révélation,
Un reflet dans la vitre pour Tarkin et pour Vador, ce plan, sont autant de moyens de jouer sur l'aura d'un ennemi bien connu. Sans parler du traitement réservé à l'étoile de la mort elle-même qu'on abordera plus loin. L'inconvénient, c'est qu'on connaît toutes ces choses. Et leur destin. Il fallait donc rajouter de nouveaux enjeux qui s'inscrivent malgré tout dans la continuité. Avec de nouveaux personnages, on vient de le voir, mais aussi de nouvelles informations sur l'Empire, et un nouveau méchant. Le directeur Krennic, joué par Ben Mendelsohn, est un militaire ambitieux et convaincu par les méthodes de Palpatine. A confusing piece, but tell. Well, we have to start somewhere. Mais qui n'est pas au sommet de l'échelle et n'attend qu'à voir ses dévotions reconnues. C'est un personnage assez neuf pour Star Wars, celui du salaud qui apprécie d'en être un. Tarkin est un salaud tout court, il semble pas tirer de plaisir particulier à sa réussite. Et Vador en est un car il est rongé de remords. Krennic est un salaud qui apprécie de l'être. À de nombreux niveaux, il me rappelle Hans Landa dans Inglourious Basterds. Oh, it's beautiful. Sa perfidie n'est d'égal que son obsession pour le contrôle, l'amenant, à chaque fois qu'il lui échappe, à partir dans des colères noires. Are we blind? Deploy the garrison! Move! Puisqu'on sait que ni Vador ni Tarkin ne pourront payer pour les souffrances des héros, et que lui, homme de l'ombre, pourrait survivre, son ajout a offert une dimension toute particulière à Rogue One qui en a fait l'ennemi juré de la famille Erso. C'est un excellent antagoniste, aussi marquant que son design entièrement blanc, en contraste avec les tenues grises des officiers classiques de l'Empire, d'autant plus frappant lorsqu'on l'accompagne de Death Troopers, ces soldats d'élite habillés de noir, en faisant, visuellement, le miroir inversé de Vador et ses troupes. Gage de grande satisfaction avec ce genre de personnage, il est victime d'une ironie du sort puisqu'il meurt directement touché par le laser de sa propre arme, comme s'il avait été directement visé par cette petite pute de Tarkin. On découvre ainsi Tarkin aussi fourbe et vicieux avec ses subalternes qu'il ne l'est avec ses ennemis, grâce notamment aux humiliations qu'il fait subir à Krennic, ce qui entretient son image de vicieux sadique. Pour Vador, on le rend menaçant et lui fait dépasser son statut de caméo en montrant des choses qu'on ignorait de lui. Le fait qu'il réside dans un château bâti sur le lieu de sa mort en tant que Jedi, de son échec face à Kenobi, bref, un lieu qui doit lui inspirer plein de bonnes choses et lui offrir de belles balades, probablement la raison pour laquelle il reste enfermé dans un tube de régénération le plus clair de son temps. Ça avait été déjà abordé dans l'univers étendu, Legends, mais pas encore en film. Et bien sûr, en le montrant massacrer des innocents avec violence. On donne en général pour la première fois forme aux exactions de l'Empire qu'on avait toujours supposé se dérouler en parallèle aux histoires de nos héros. L'occupation des mondes, jusque-là restreinte à quelques stormtroopers et avant-postes générateurs de boucliers, est ici complétée par l'exploitation des ressources comme les cristaux de Kyber et le démantèlement des temples Jedi, les centres de recherche top secret ou encore l'existence de prisons en dehors de celles sur les stations spatiales et plus grave encore, de camps de travaux forcés. Bref, on ravive la flamme de la menace sans être prisonnier du passé. Edwards a apporté une nouveauté dans à peu près chaque domaine d'un film Star Wars, et c'est ça que Rogue One fait mieux que le réveil de la Force.